marcher dans cet asile où Dieu nous a conduits. Unis par le malheur durant les longues nuits, nous reposons. Monsieur le préfet régional, monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes chers amis, j'espère que ce n'est pas un ministre que vous êtes venu avec tant de sympathies chaleureuses et émouvantes, saluer aujourd'hui, ou du moins j'espère, j'aurais voulu de toute mon âme que la réunion d'aujourd'hui est une réunion totale d'unité française. Je déplore certaines absences. Je regrette que certains aient pu devoir interpréter cette manifestation comme une manifestation politique. Je ne représente ici aucun parti. Mandaté à la fois par le chef de l'État et le chef du gouvernement, j'ai l'honneur et la fierté de représenter la pensée officielle de la France. Je regrette que certains
devoir s'abstenir aujourd'hui sous prétexte qu'ils ne font pas de politique. Le jour où, en voyant son représentant, au maréchal Pétain, il n'y a personne d'autre, il a marqué où était le gouvernement légitime de la patrie. Prenant facilement leur mécontentement pour base de leur jugement, ils sont portés à critiquer le gouvernement de leur pays, en comparant toujours le sort qu'il aurait fait à celui qu'ils souhaiteraient et en oubliant toujours de le comparer avec celui qui serait le leur, si ce gouvernement se trouvait là qu'on a salué tout à l'heure le maréchal. Vous n'aviez eu pour vous défendre, mes compatriotes français, au lendemain d'une défaite dans laquelle tout le monde avait perdu la tête. Que vos professeurs de patriotisme d'aujourd'hui, abrités derrière les micros de Londres ou d'Alger, voudraient bien savoir où vous en seriez. Vous qui m'écoutiez, quand je parlais dans nos assemblées catholiques ou dans nos assemblées nationales, vous qui vous êtes, secrètement, ouvertement, dressé contre la politique du gouvernement et contre celui qui fut longtemps non seulement votre ami, mais votre porte-parole. Et vous dites, voyons, alors qui aurait aujourd'hui la vérité, puisque je suis comme le membre du gouvernement, d'une manière discrète et défendue, à qui faut-il s'adresser pour penser comme il faut penser? À qui vous adressez-vous vous-même? Et les hommes que nous avons combattus ensemble, les hommes que pendant trop d'années nous avons dénoncés, en préparant la catastrophe pour la France, les hommes qui l'ont en effet préparé et accompli. Par quelle espèce de sortilège incroyable sont-ils devenus aujourd'hui vos professeurs dévoués? Et vous imaginez-vous que la trahison avait ainsi brusquement plongé le corps? Et passé dans eux leur nom, rappelez-vous, Pierre Cotte, Prince d'Antoniol, la vie n'est pas neutre.
consiste à prendre parti activement. Au ministre, celui de M. Pierre Laval, qui vient d'y prendre place. Derrière lui, tous les ministres, M. le garde des Sceaux, Diabolde, M. Catala, ministre de l'économie nationale et des finances, M. Bonnard, ministre de l'éducation nationale, M. Bisson, M. Déa, ministre du travail et de la solidarité nationale, M. Grasset, ministre de la santé et de la famille, M. l'ambassadeur de Brino, les secrétaires d'État, M. Paul Marion, général Bridoux, amiral Bléau, Chassaigne et Darnan. Et nous ne pouvons pas ne pas penser que parmi eux, la dernière fois que nous faisions un reportage semblable, celui de la première venue du maréchal Pétain dans cette, à Paris et dans cette cathédrale, parmi eux se trouvait celui qui a été lâchement abattu, le ministre, le grand tribun de Philippe Henriot, dont je vois encore la silhouette mince et le visage fin dans cette cathédrale qui contient tant de souvenirs et de substances françaises. Citoyens comme tous les jours, à la même heure, pour entendre la voix de Philippe Henriot, ne l'entendrez plus. Philippe Henriot a été assassiné ce matin au ministère de l'Information. Il a été abattu à Poudre-Bonneuil, sous les yeux même de sa femme. Les assassins avaient réussi à arriver jusqu'à lui, en se faisant passer pour des gardiens et des défenseurs venus pour le protéger. Vous reconnaissez là la guerre sauvage et sans honneur qui se nomme la guerre civile. Faute de pouvoir répondre à Philippe Henriot, on l'a fait taire. Faute de pouvoir lui fermer la bouche, on lui a fermé les yeux, en proclamant chaque jour la vérité. Vous avez contribué à dissiper chez nous cet illusionnisme qui nous a fait et peut encore nous faire tant de mal. Versant à la radio, vous parlant pour la dernière fois, comme s'il avait été touché par un pressentiment, Philippe Henriot, s'adressant à ses adversaires habituels, leur disait « Injuriez donc, couvrez-moi de vos outrages, je ne répondrai plus. S'il y a du sang entre nous, c'est vous qui m'avez versé. » Il avait conscience des périls dont il était entouré. Il en avait cependant accepté tous les risques pour accomplir pleinement son devoir. Il apportait dans la vie publique la ferveur de sa foi religieuse. Je puis attester dans son sacrifice que seul le patriotisme le plus pur en lui. Il est fondé ce matin en héros et en martyrs. Je voudrais que tous, devant cette mort, en comprennent l'action. La guerre, avec son cortège de dévastations et de ruines, est portée sur notre sol. Mais nous, Français, au lieu de déchirer, nous devons nous unir. Il faut que la France lutte.
Il faut que la France lutte. La grande voix de Philippe Henriot s'est tue à jamais. Devant le ministère de l'Information, la foule s'est massée. Nombreux sont les Parisiens qui ont voulu voir, une dernière fois, celui qu'ils entendaient chaque jour sans le connaître, et qui est mort ici, à son poste, lâchement assassiné sous les yeux de sa femme. Transporte le corps du ministre aux places de l'hôtel de ville. De Madame Philippe Henriot, de sa fille et de son fils, le cercueil va être placé dans un catafalque élevé devant l'hôtel de ville. Défile à nouveau. Foule innombrable, foule anonyme, où se mêlent toutes les classes. Ils sont venus, ceux que sa parole avait su convaincre, aussi bien que ses adversaires d'hier qui avaient senti que chaque accent, chaque parole de Philippe Henriot était dictée par le plus sincère amour de la France. Ils ont réalisé toute l'horreur d'un crime sur lequel pèsera le jugement de l'histoire. 21h. Madame Philippe Henriot, ses enfants et les membres du gouvernement assistent à la levée du corps. Minute poignante, le cercueil est porté à bras jusqu'à Notre-Dame de Paris. Lorsque le cortège arrive à la cathédrale, où toute la nuit, une garde d'honneur veillera sur le corps du tribun assassiné. Philippe Henriot n'est plus, mais le flambeau sera repris. Fidèle à sa pensée, écoutons la voix de Philippe Henriot qui nous dicte notre devoir. Écoutons ses paroles lumineuses et puissantes qui sont parmi les dernières qu'il prononça et qui peuvent être considérées comme un véritable testament politique. Nous vous lutterons entre nous. Nous prenions ces quelques minutes sur nos préoccupations quotidiennes pour n'être, en effet, contre nous, sans aucun étranger, quel qu'il soit. Vous m'aimez bien, vous ne m'aimez pas. C'est l'important, cela peut-il avoir. Puisque nous aimons ensemble la France, le même amour, la même cœur, et que, n'est-ce pas pour bien aimer, pour la bien comprendre,
Nous n'avons ni vie, ni moi. Besoin de se prendre de se noyer auprès du maréchal et de ceux qui conduisent pour rester auprès d'elle. Dans les jours sombres, comme ils étaient auprès d'elle, dans les jours de joie.
de ce groupe de la France et qui est regretté de l'Europe entière. Sa foi demeure vivante en nous. Ses paroles retentissent à jamais dans nos cœurs. Par-delà l'écho des chants sacrés et des grandes orgues, il semble que nous entendons encore sa voix ardente. Injuriez donc, couvrez-moi de ce que vous appelez votre phrase. Je ne répondrai plus. Il y a du sang entre nous, c'est vous qui l'avez versé. On ne discute ni avec les diffamateurs, ni avec les meurtriers. Je vous ai fait trop d'honneur. Je ne peux pas vous haïr, puisque je ne haïrai qu'un nom que vous avez sans doute volé. Mais je vous méprise trop pour avoir encore quelque chose à vous dire.
la lumière grise d'une aube de désespoir, en plein jour tirant et bouleversant encore un spectacle d'orfèvre, le bombardement continue malgré le départ des coups de feu et trois jours de mort. Il continuera ainsi pendant des heures et peut-être des jours. Il restera son barrage invisible sur toutes les routes du courage et de la charité. Il circonscrira le domaine. Il a été décidé par des misérables, aucun être ne doit rester vivant, aucune maison ne doit rester debout. Cette banlieue parisienne où le plein printemps éclatait, et qui dans la floraison de ses arbres fruitiers était sorti comme un bouquet de blancheur et d'espoir, est maintenant saccagée sauvagement. Des pavillons, des maisonnettes, des logis modestes et des arbres nets amoureusement entretenus. Transformé en brasier, tandis que continue de retentir partout les explosions des bombes d'attardement. Comment saluer comme il faudrait le dévouement de ceux qui, dans des conditions aussi dramatiques, s'obstinent à assurer magnifiquement le sauvetage des survivants. Parmi ces sauveteurs, comment oublier les cheminots, qui depuis tant de mois d'ailleurs font quotidiennement preuve du plus émouvant héroïsme. Quel plus bel hommage pourrait-on leur rendre que celui-ci, ce matin, à 5h, le train dissipé quittait Paris. Et malgré les gares incendiées, malgré les destructions de toutes sortes, il en fait à midi en gare de France. Et ce n'est pas diminuer le courage de tous ceux qui ont assuré ce voyage afin d'aider au maximum à secourir son détresse. Je veux dire que ce n'était peut-être pas la peine d'agrandir une cité dont la noble splendeur était une des merveilles de notre pays. Ce fut une des plus émouvantes cathédrales de France et avec elle, qu'il soit tout d'art et remplaçable. Périr par centaines des innocents, pour ne pas même réussir à empêcher l'arrivée d'un instinct, alors que tout à coup cette agression insensée était précisément trouvée des voies ferrées. Je demande à ceux qui se sont laissés si longtemps accusés, de par courage de s'en dire.